sais, je pense un peu à... Il y en a une, c'est un oiseau avec une goupille de grenade. Ou avec une, ouais, ouais. Fait, la première que j'ai fait comme ça, c'est, d'ailleurs, c'est une des c'est comme un greatest hits. comme Can't Get No Satisfaction. Là, si j'étais tu vas te faire une tournée greatest hits. avec ma grenade. ouais, c'est des, il y a des tattoos partout sur la planète ouais, de cette ça. Image-là. Ouais, quand je l'ai fait, j'étais sur une série sur les insectivores, okay, les ouais. oiseaux qui disparaissaient, puis à cause de l'homme, puis tout ça, puis comme je suis arrivé à la conclusion qu'une des inventions humaines les plus méchantes, absurdes et inutiles, c'est la grenade. C'est mm-hmm. un fusil, tu peux comprendre, tu peux t'en servir pour chasser. La dynamite, ça peut ouvrir un tunnel, ouais. ouvrir une fondation, quelque chose. Ouais. Mais une grenade, à quoi d'autre que ça sert qu'à tuer un autre homme? Ouais, c'est comme... ça. Fait que pour moi, ça, c'était... Le summum de l'invention humaine la plus destructive et la plus méchante et ouais. inutile. Puis là, je mettais un oiseau dessus, puis là, je dis, regarde, ici, il tire la grenade, puis s'il tire la goupille, mais il y a comme une notion qu'on sait tous que ouais. tu tires la goupille, tu as 4 secondes, puis il faut ouais, que tu lances la grenade. Il est perché sur la grenade, fait que ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Quand j'ai fait ça, c'était instinctif, mais après ça, quand tu l'analyses, cette image-là, là, ça a plein de sens. Oui, c'est vraiment une illustration forte de l'époque dans laquelle on est. Ouais. On est on the verge of exploding. Mmh, c'est comme c'est si on tire la goupille, on a comme il y en a 4 secondes, en fait, minuit moins une. Je pense qu'on a déjà tiré, décroché comme. Ouais, c'est l'ère de, tu sais, l'anthropocène. Là, si tu connais l'anthropocène, là, la nouvelle époque dans laquelle on est où l'humain a contribué au changement climatique. C'est ça. C'est comme à cause de ça, de cette grenade-là qui est une invention humaine, ça fait exploser toute l'évolution de la planète est changée par notre présence. Mm. C'est dans cette image-là. Tu sais. Puis l'oiseau, pour moi, l'oiseau, je dessine beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Ouais. Je suis un amoureux des oiseaux. Puis en fait, l'oiseau. Pas juste parce que j'aime les observer puis je les trouve beaux puis tout ça, mais c'est pour moi, ça représente la fragilité de la nature. Mm. Puis ça fait plein de sens de coller un oiseau tout le temps sur quelque chose qui est destructeur. Ah, c'est clair. Mais puis en même temps, moi, je pensais à ça. Je disais un peu sur toi hier. Puis là, je voyais vraiment le côté environnemental avec ta femme là, que vous êtes... Mm-hmm. Puis là, on a parlé, on peut rentrer là-dedans, mais... Tu sais, je trouvais ça... Tu sais, l'idée, tu peintes le feu, mais la planète est comme en train de brûler les feux. Complètement. Tu sais. Fait que quelque chose de comme... Ouais. Tu sais, c'est comme si tu prenais un peu... Tu sais, là, on parle juste de l'Australie là, qui est en train... Mm. Ça vient de finir, là. Ça brûlait. Ça faisait 6 mois. Ouais, ça va pas. Et juste avant, t'as l'Amazonie. C'est ça, mais ça arrête pas. Mais toi, c'est comme si tu prends ça pour... créer des œuvres qui vont, tu sais, je trouve que c'est comme ta technique est complètement dans le... Et dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Il y a qu'on se disait tantôt que c'était préhistorique. Non, puis qu'il y a comme complètement dans l'air du temps. C'est l'idée que tu prends, tu sais, la suie, en fait, ce qui tout a brûlé, puis là, tu prends ça pour faire du beau, tu sais. Il y a comme... Ouais, pour moi, ça fait plein de sens de parler d'environnement avec un élément de pollution. T'sais, la suie, c'est du noir de carbone, c'est le shit qu'on met dans l'air. Ouais, c'est ça. Qui est la pollution, puis tout ça. Fait que c'est comme... Ça fait du sens. Ma prochaine expo, c'est au mois de mai. OK. Puis c'est à New York. Puis le titre de l'expo, c'est Fire, Fire, Fire. C'est 3 fire, point d'exclamation entre chaque. Pour, tu sais, le cri d'alarme, c'est exactement ça. C'est j'essaie d'illustrer puis de mettre la lumière sur la crise environnementale dans laquelle on est. Puis j'essaie de trouver des façons d'en parler puis de demander aux gens qui vont venir voir l'expo de passer à l'action. Ouais. Je suis beaucoup inspiré par Greta Thunberg. J'ai fait son portrait. Oui, j'ai vu ça, J'ai,
je vais exposer son portrait. J'ai fait un bon portrait d'elle. Puis à côté de ce portrait-là, je mets un instincteur sur lequel il y a une partie d'un de ses discours qu'elle a fait. Puis ses discours sont tout le temps bien punchés, puis sont bien écrits. Elle est vraiment douée, cette jeune fille-là. Elle est inspirée. Ouais. Elle a un appel profond. Puis elle protège la planète, puis elle nous pousse à passer à l'action, nous les adultes. Puis c'est ça, elle dit, en gros, grosso modo, elle dit « The house is on fire, I want you to take action ». Puis j'ai écrit tout un texte sur un instincteur. on est vraiment dans un air où le feu est une illustration précise du réchauffement de la planète. La planète est rendue telle, tu sais, on a augmenté d'un degré et point quelques. Oui, c'est ça. Ce qui fait que ça assèche beaucoup les terres, puis ça, puis les feux, là, récemment, en Australie, c'est ça, c'est que... Il faisait trop chaud, il pleuvait pas, il faisait des 40 degrés, puis comment veux-tu arrêter un feu s'il fait super, super chaud, puis ça arrête pas? C'est... Non, puis le désert arrête pas de grandir en plus là-bas. C'est ça, fait que c'est... Puis ben souvent, c'est des feux que nous, on a partis pour clairer des terrains, pour planter des avocats, tu sais. Ou je sais pas, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Pour faire de l'argent.